Alors, vous êtes par groupe? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alors, très bien. Parfait. Moi, je suis le capitaine de vaisseau et je m'appelle Julie O'Connor. On vous a invité aujourd'hui parce qu'on a besoin de vous. Je vous présente mon ami. Bonjour et bienvenue, chers inspecteurs galactiques. Il est parti tout seul. Je m'appelle Nao et je suis le robot de ce vaisseau. L'heure est grave. Un des membres de l'équipage a volé une clé USB. Cette clé contient les secrets de chaque personne de ce vaisseau. Il menace de les révéler. S'il vous plaît, aidez-nous. Alors, comme vous avez entendu, Nao sait parler. Seulement, il n'aime pas qu'on l'approche et il n'aime surtout pas le bruit. Alors, je compte sur vous pour être sage, de façon à ce qu'il continue à parler. Donc, Nao, est-ce que tu veux bien expliquer en détail ce que ces enfants doivent faire pour retrouver la clé USB qui a été volée, ainsi que le coupable? Chaque groupe aura un livret. Dessus, vous trouverez votre ordre de passage dans les différentes salles du vaisseau. C'est également dans ce livret que vous récolterez les indices. Ainsi, vous pourrez éliminer les suspects au fur et à mesure. Vous trouverez les descriptions des membres de l'équipage dans cette salle. Vous pourrez venir les relire entre chaque activité. Bonne chance à tous. Vous avez vu comme il parle bien? Et puis vous avez été très sage aussi, donc il est content. C'est bon le message? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on a nommé un chef de groupe? Non. Ce serait bien qu'il y ait un chef par groupe. Numéro 8. Le chef de groupe, c'est qui? Tu vas avoir besoin de votre aide. Ce petit engin, petit robot, c'est Bibot, d'accord? Il est capable de faire énormément de choses. Si je lui demande d'aller tout droit, il ira, d'accord? Ok? Donc c'est simple en fait, je vais avoir besoin de vous les filles, c'est que j'ai perdu la... Bibot n'a plus la mémoire de la recette du millefeuille aux crêpes, du coup, je vais vous demander de m'aider à le programmer et à retrouver dans l'ordre toute la recette qui est ici. Ok? Du coup, ensuite, c'est répéter jusqu'à obtenir 24 000 feuilles. Non. Alors, non, pas 24 000 feuilles. Du coup, je peux faire. Alors, tu recules. Et tu vas là-bas. Ouais. Attends, t'as effacé déjà? Attends, on a effacé. Comme ça, okay. Donc je dois cliquer sur ça et go. Il faut qu'il t'emprunte là et après. C'est bon, go. Ouais. Il va reculer. Ça devrait suffire. Voilà, nickel. Ouais. L'indice, le premier indice, donc vous mettez dans indice 1, ça va être taille moyenne. Taille moyenne. J'espère que le taille moyenne c'est bon parce que quand mon petit frère l'a fait, le taille moyenne c'était en plus indice. Taille moyenne. Ouais, il y a un faux indice. Parce que le coupable ne va pas dire le bon indice, sinon on va le trouver. T-A-I-2-L-E. Donc ça se trouve, c'est pas grave. Taille moyenne. Ah bah peut-être. Taille moyenne. Taille moyenne, c'est quoi pour vous les filles? Bah, il n'est pas très grand, mais pas très petit. Moi, je suis 1m85. Ah ouais, c'est un peu grand. Bah, il y a des gens qui font 2 mètres. C'est pas toujours Vous êtes venu chercher des indices, c'est ça? Oui. Vous êtes des inspecteurs galactiques? Oui. Alors moi, je veux bien vous donner des indices. Mais avant, j'aimerais bien que vous jouiez un petit peu avec moi. Est-ce que ça vous dit? Oui. Super. Alors, je vais vous donner à chaque petit groupe un robot. Ah oui. Alors, ces petits robots, ils s'appellent les Timio. Timio? Les Timio. Alors, je vais vous laisser les mettre, les allumer. Moi, je suis pas ça.
les allumer et les mettre en vert. Et une fois que c'est en vert, vous allez appuyer sur le bouton du milieu pour valider. Et là, quand vous placez votre main devant, quand vous mettez votre main devant, le robot va essayer de vous suivre. C'est ce qu'on appelle les humeurs de Timio. Alors maintenant, vous allez réappuyer sur le bouton du milieu. Mettez la couleur mauve. Moi je sais que c'est la couleur. Mais je sais que c'est la couleur. Si, si, on a. Et dans la couleur mauve, quand vous appuyez sur les touches, le robot va aller là où vous montrez. Non. Est-ce que vous êtes prêts pour votre indice? Oui. Vous écoutez bien? Vous pouvez noter? Vous n'êtes pas prêts? Tu peux noter l'indice, s'il te plaît? Où? Là, normalement, là-dedans, tu vas avoir une petite grille. Ici, l'indice numéro 1. Alors, et un numéro 8. Votre, non, ça, c'est votre numéro de groupe. Hein? Là, tu donnes votre premier indice. Le premier indice n'a pas d'antenne. La personne que vous cherchez n'a pas d'antenne. Ok? Merci d'être venu. Je vais vous libérer. Merci. Et bonne chance pour trouver le coupable. Allez-y. Allez. Au revoir. Au revoir. Tu comptes combien de flèches? Alors on va voir si vous avez un ou deux indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 24, 24, 24, 2 indices, parfait, bravo. Alors vous savez qu'il n'a pas d'antenne, qu'il est de taille moyenne et je vous rajoute que c'est un être humain. Un être humain, donc c'est pas un robot déjà. Là. Et je vous en rajoute une autre. Mais... Ne s'occupe pas de machine. Bonjour, vous êtes tous les deux? Tous les trois? Ok. Alors, je viens de recevoir en fait un message codé. Je l'ai écrit au tableau, mais j'arrive pas à le déchiffrer. Du coup, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Oui. Ouais. Alors, je vous montre. En fait, ils m'ont dit que chaque symbole correspondait à une lettre. Et du coup, il faut, voilà, vous cherchez. Par exemple, ici, on voit bien que ça correspond au A. Donc, on peut déjà mettre le A. Celui-là, on cherche. Hop, ah, ça correspond au I. J'ai compris. Voilà, est-ce que vous voulez bien m'aider à faire ça? Oui. Ouais. Ouais. Aidez-nous les... Bah oui, ça c'est ouais. Une. Ouais, tout à fait. Ah, il y a un problème de... Un i, tiens, on l'a déjà eu. Ah, ça fait un mot. Ça fait un mot. Ouais, ça fait un mot. Oh. Ici, c'est aidez-nous les freins. Les frères. Les freins ne fonctionnent. Alors ça, c'est un f. C'est pas le v. C'est le piège. Tu vois le v et le f, ils se ressemblent. Aidez-nous les freins ne fonctionnent pas. Ok, ça veut dire qu'il n'y a plus de freins alors. Okay. Je vais vous donner vos indices parce que là, ça y est, on a le message codé. Je vous remercie beaucoup de votre aide. Oui, Simi. Tiens, je te donne mon papier. Je vous donne les indices du coup. Oui, la personne qui a volé a moins de 50 ans. Mais je connais ce robot. Je connais ce robot-là. Et un prénom mixte. Regardez-vous la fenêtre.
Alors, vous êtes tous là? Alors, je vous explique. Ça s'appelle des mercubes. D'accord? Il y a un petit code en fait dessus. Et avec une application, vous allez voir ce que ça fait. Oh là! Ça, c'est un gros gâteau, hein. Un grand gâteau. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez voir. Tu vois, et là, si t'appuies sur le petit bouger, hein. I, ça te met une information, ça fait un petit texte. Faut pas bouger. Vous avez mis votre indice, les enfants? Là, ça, c'est une autre planète. On a fini de lire. C'est bien. Vous allez tous récupérer un petit cube comme ça. Donc, vous n'aurez plus qu'à le découper. Et si vous avez envie de faire pareil que chez vous, il suffira de demander à vos parents si vous pouvez leur emprunter leur téléphone ou leur tablette. Et il y a le nom ici du cube. Sur le cube? Oui. Il y a écrit Merge Cube et il faudra taper ça pour télécharger une nouvelle appli. Si, sur Google. Sur Play Store. Et voilà, le temps est écoulé. Alors, vous connaissez le pixel art? Oui, ouais. J'adore. Vous connaissez la manière avec les numéros comme ça? Non. Non, je vais tout vous expliquer. Oui. Alors vous voyez, il y a des numéros. Les numéros vont dire combien de cases il faut laisser blanches et combien de cases colorées il faut mettre. A chaque fois, du coup, ça fait blanc, coloré, blanc, coloré. Pareil ici, blanc, coloré, blanc, coloré, blanc, coloré, etc. Un robot. Ouais. Oui. Okay. C'est facile, hein, vu qu'on parle des robots. Ah bah oui, mais je suis l'informaticienne en même temps. Bon, du coup, je vais pouvoir vous donner votre indice. Je te la prends. Alors, l'indice suivant, c'est... Suspense, suspense. Le coupable ne s'occupe pas de machine. Il ne s'occupe pas de machine. Hein? Voilà. Du coup, c'est bon, vous allez pouvoir retourner dans le hall et regarder les descriptions pour voir qui ça élimine. Alors, le but du jeu, c'est pour avoir les indices, il faut enlever des morceaux de bois. Le dernier qui a un morceau de bois, a gagné. D'accord? On peut prendre que par 3, par 2 ou par 1. D'accord? Et on fait chacun son tour. J'en ai pour toi. Attends, c'est à moi. Dès qu'il commence. Parce que vous devez me battre. Un, deux. Ah ouais. Attends. Bah non. Papa. Ah, si, j'ai gagné. J'ai le dernier morceau de bois. Le dernier qui a gagné. Il travaille avec les mots et il est à l'aise avec les autres. D'accord? Vous pouvez redescendre. Alors le dernier indice, c'est que le coupable, il est à l'aise avec les autres. Oh, à l'aise avec les autres. Il est où alors? Attention. À l'aise avec les autres. Mon petit doigt me dit qu'il y a quelque part un hall avec la clé. Faut la trouver. Ah, c'est...
Je vais vous donner les coups.